Salut YouTube, voilà, ça y est, Isaac, c'est terminé avant, enfin jusqu'à la sortie de Repentance. Donc, on va se mettre gentiment à Hadès. Donc, voilà, comme tu le vois, je n'ai pas commencé. J'ai fait une partie une fois, j'ai supprimé la sauvegarde là. Mais voilà, c'est vraiment l'expérience depuis le début. Surtout que tu crèveras bien assez comme ça, merde. Few tales are told of Hades, whose very name inspires fear and penitence, reminding us of the inevitable fate which we all share. I, however, mean to tell you such a tale. Ah, y a du lore en plus. Listen carefully. Ah, le jeu, enfin voilà, j'ai vu des streams et tout. Donc oui, il y a beaucoup de lore quoi. Ok, donc c'est mon papa. Ok, je peux tabasser les morts. Ok, dash. Ok, le dash par-dessus les trous. J'ai tout cassé. Mais comme je cherche une formation à la maintenance informatique, bah pas moyen de m'inscrire du coup, ouais. Ouais, dans le lore... J'ai vu sur les streams, il y a du lore, il y a des tigres, il y a des lions, il y a des léopards. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Il y a des histoires amoureuses. Ça va être fou quoi. Et la DA, bah c'est un peu la même DA que sur Transistor. Enfin, c'est la DA de Supergiant Games. Hein, moi je enfin voilà j'ai fait Bastion et j'ai fait Transistor et je kiffe les dessins quoi. Un petit peu ce que j'ai comme alors it's got to be her. Then here goes nothing. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Oh, ça vibre dans ma manette. Alors j'ai désactivé par contre dans les paramètres du jeu j'ai désactivé le tremblement de l'écran, c'est chiant. Hail, noble cousin. Now, Athena, let's get you from that miserable place. I'll see that all of us upon Olympus do our part, beginning here with me. Salutations, noble cousin. À présent, faisons en sorte que tu t'échappes de ce misérable taudis. Je verrai à ce que tous sur l'Olympe venus à ton secours, à commencer par moi-même dès maintenant. Ok, et on commence à choisir des trucs. Alors, frappe divine, votre attaque est plus puissante et peut effectuer un renvoi. Le tir de phalange, votre lancer inflige des dégâts en zone et renvoie toute attaque sur sa trajectoire. Ok. Et élan divin, votre élan inflige des dégâts et vous permet de renvoyer toute attaque sur votre chemin. Ah, je vais jouer bourrin, moi j'ai l'impression. Hein. I know you can't hear me all the way where you are, goddess, but thank you. Je me connais, je vais jouer bourrin. Hein. Et il dash aussi eux. Alors faut que je fasse gaffe, ouais, j'ai de la vie en bas, ok. Ah mais ils sont un peu plus balèzes là en fait. Et juste avant dans le tuto... Juste avant dans le tuto ça tapait moins fort hein.
Les salauds. Come try me. Ça fait quoi quand je déglingue pas? C'est juste cosmétique ou je peux avoir des trucs dedans? Ok. Ah oui d'accord, j'ai compris. Il y a l'armure et après, après on les tabasse. Ok. Ah zut. Voilà, je récolte des trucs pour l'instant, c'est cool, mais bordel, je trouve des formations qui coûtent 17 000 balles, non mais... Pour de la maintenance informatique, oh non mais non quoi. Il y avait un petit rocher, ok. Ah! Ah j'ai des choix, ça y est maintenant. Comment je sais? Comment je sais à quoi ça correspond? C'est plus que le prix que j'ai mis dans ma voiture. Avec ou sans réparation? Bon bah je dis que je vais là hein. Ok donc ça me balance des merdes là. Ouf. Ah oui d'accord. Quel débile. Qu'est-ce qui me touche? Mais j'ai le truc là. Yes. Ça y est, je m'en suis rappelé. Alors. Ah donc là, j'ai pas le choix. Ok. Là j'ai pas le choix, ça me file direct ça, ok. Sinon à un moment on a de la vie dans le jeu ou pas là? Ou genre jamais? Oh non, Rabia. Mais avance. Non. Ouais. Ah. Bon, je crois que je suis mort. Est-ce que j'ai été bon ou pas? Est-ce que j'ai été bon ou pas? Le début d'une longue série. Damn it. Ah merde. I'm home. Ah, je peux pas tabasser tout le monde. GG. Merci beaucoup. How goes it, Shane's? Jamais je trouve des ailes, il va m'entendre. Donc je peux parler aux gens.
Hypnos, hein. Bienvenue dans la maison d'Hadès. Ouf, attends, je te connais toi. J'imagine que t'es mort dehors du coup. Car... mais non, mais pourquoi je dis je lis alors qu'il déjà il le dit lui. Qu'est-ce que c'est pas triste, hein. Enfin tout le monde finit par mourir à un moment ou à un autre. Ok, après je peux pas reparler. L'autre il se fout de ma... Papa se fout de ma gueule, évidemment. Stupid boy. I told you nobody gets out of here, whether alive or dead. So how was your wanton ransacking of my domain? Comment s'est passé le pillage? Greetings, father. My ransacking was a delight, thank you for asking. So I'll just be on my way again. Be on your way indeed. What do I care? You shall never reach the surface. Go, see for yourself. Petit toutou. There's a good boy. Do not let him manipulate you, Cerberus. Petit chien. Infernal watchdog Cerberus regards the underworld prince with mixed emotions, from purest joy. Oh, il est trop mignon. Melancholy. Pet the dog, trop bien. You watch over things for me, won't you, boy? You know I'd take you if I could. Oh, chien. What is it now? I've a mountain of infernal parchment work. Quel bout de merde. Not as comfy as it looks. Back away from there. Ah. A vast and intricately crafted mosaic depicts the underworld king presiding over the enormity of his domain, whilst its chthonic residents look on in awe of him. He's not really that great. Keep it down. No time to rest. Il y a des petits os, le toutou chien, trop bien. You've returned. Good to see you, lad. Despite Achilles. The circumstances, remember your training out there. The pain of death is but another obstacle. Okay. And fear is for the weak. Take care, Achilles. Ferait mieux de surveiller ses son talon, celui-là. Ça, c'est fermé. Nix. Such setbacks are inevitable and may be overcome with effort and with time. You made contact with the goddess Athena. She shall be true to her word. I believe it, Nix. I'm grateful that you put us into contact. I know you. Ah, d'accord, c'est elle qui a mis en contact, okay. The risk is not to me. I expected the Olympians would involve themselves in this eventually. Reveal to them no more than they already know. Are we understood? J'arrive sur ta meilleure blague. Comment ça? Yes, we are. Then go. Gaga power. Eh ben coucou d'ailleurs Blackie. Hey room, I'm back. Ah. Ok, donc ça c'est le bordel, c'est ma chambre, d'accord. The bedchambers of Prince Zagreus lie in a perpetual state of utter disarray, despite his lord and master of the house. Il y a mon papa qui me dit qu'il faut que je range ma chambre et moi j'en fais qu'à ma tête. Je dis non. Ah, le talon d'Achille, bah oui, mais le talon d'Achille ça vient de là. Hein. En fait, c'est pas vraiment une vanne. Hein. C'est pas vraiment une vanne finalement. Se reposer, ok. Hop, il faut que je me contemple dans le miroir. Oh là là. Night and darkness guide me. Plus j'ai des dégâts d'attaque et de technique, vous frappez aux ennemis par derrière. Plus 10% par niveau. Et ça me coûte des trucs. Et j'en ai 10, d'accord, ok. Ça a été shtonienne. Restaurer une petite fraction de votre santé lorsque vous quittez une chambre. Plus 1 par niveau. Ça peut m'être utile.
Restaurer 50% de santé au lieu de mourir lorsque vos points de vie tombent à zéro. Ou alors j'achète un refus de la mort. J'attends un petit peu et... et là il m'en faut 5. Révéler deux nouveaux talents cachés, miroir. Et j'en ai combien? Pas écrit comme ma journée de ça. Des clefs. Donc ouais, est-ce que j'attends pour avoir un refus de la mort? Ouais non, je vais attendre. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. C'est beau, Pierre. I'll figure something out. I can escape from the courtyard back there. Ah, là je peux tabasser. I'll have to come back later. Alors, encore des trucs que je peux dire. Oh là là, mais il y a tellement de contenu. Tellement de contenu. Need more of those keys. Ok. There we go. Cora knocked the heart seeker. Let's deal some death. Psst, over here. I can escape through that pink window there. Nice place you got here, boyo. Tados. How's it going? But enough with the smart talk already. I'm here to do a job. So let me have it. Give me everything you got. I don't remember having you on payroll, mate. Who's your supervisor? Il y a pas mal d'heures à farm. Ouais, non, j'ai vu des streams, hein, donc je sais quoi. Oh, I'm not about to wrap my sources, pal. Just try and beat it out of me. If you insist. That's the stuff. Ah, on peut charger, d'accord. Ok. Appuyez sur rien, votre élan pour effectuer un assaut. Attendez. Ok, relâchez X au clignotement. Ah d'accord. Au clignotement. Ouais. Ah ok, d'accord. D'accord, j'ai compris. Bon, on va quand même commencer avec... Donc appuyer, hop, ça c'est ok. C'est ok. Ok, d'accord. Donc on fait plus de dommages si... Le pauvre, comment on le tabasse. Aïe, mon fémur. Donc j'imagine que si je vais là, je sors. Mais ouais, je voulais aller début. Là, il y avait des trucs, voilà. J'ai vu des grenades ici. Il suffit de bien chercher. That dark and lavishly appointed lair of the underworld's king is home not c'est qui le narrateur him, but to his willful progeny. Ça, c'est moi. I can hear you, old man. Voilà. Ok, donc donc j'avais que ça, j'aurais mieux fait d'y aller au tout début. Là, je peux pas, c'est fermé. Bon, bah. On va se tenter une autre run. Ah, ça fait quoi se reposer? My escape route's back the other way. It's never bedtime here. Ok, d'accord. Skelly. Hey! Alright, one more time. Ok, on va essayer d'être un peu moins mauvais. Dont je doute, hein, mais... Ah!
Is this really him? Okay. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Greetings there, young man. Salut, Zeus. Look, your father's always been rather difficult, and he's not so much as called in quite some time. He'll have a better home where you belong, here on Olympus. And to help you on your journey, have my blessing. Ah, gentil. Gentil Zeus. Technique foudroyante, votre technique déclenche un éclair qui s'abat sur les ennemis à proximité. Le tir foudroyant, votre lancer projette une étincelle qui rebondit d'un ennemi à l'autre. Ah, c'est Merde, comment ça s'appelle dans Isaac? Jacob's Ladder, c'est Jacob's Ladder ça. Et non, foudroyant, votre lancer déclenche un éclair qui s'abat sur les ennemis à proximité. On va y aller sur ça. Lord Uncle Zeus lending his support. Never thought I'd see the day or night, whenever. Oh, ça pète les trucs. Oh là là, regardez ça. Je fais comme dans Isaac, je me coince dans les trucs. Trop bien. Ok, j'en suis à 20. Et c'est 30 pour le refus de la mort. Donc faut encore que je... Que je farme. Cœur de centaure. Ah, ça me dit le... Ah, ça me donne le... ce que ça va m'offrir en fait, chaque pièce. Ça y est, je viens de comprendre. Donc là, je vais gagner une clé. Et là, je vais gagner les trucs. Ah. Et comment je peux voir ce que j'ai? Ça fait quoi? On sait pas, ça fait rien. Merde, bah oui, si j'ai validé, je suis con. Ok. Mais... ah non, merde. Oui, j'appuie pas sur le bon truc. Ça y est, j'ai mes 30. Je pourrais avoir mon refus de la mort. Oh, trop bien. Donc là, je vais avoir un cœur de centaure, là, c'est ça? Ah, et merde. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il commence à avoir les... Ah non! Avec mon cœur de centaure! Quel gland! Voilà, ça me donne un cœur de centaure, ok. Ça me rajoute de la vie. Oh là là. Ok. Et donc là, ça va me filer, je sais pas, de la thune, a priori. Ça ressemble à un truc de thune. Ici, ça va me filer une clé. Les clés pour débloquer. La thune, pour l'instant, ne sert à rien. Donc on y va pour les clés. Hein. Oh là là.
Ça te rajoute, mais ça soigne pas. Ouais, non, j'ai vu, ouais, que ma. Là, y avait, j'ai eu mes plus 25, mais ça m'avait gardé. Les points de vie perdus, ils étaient perdus. Merde. Bâtard! Petit bâtard! Ok, une clé. Et du coup, on peut les oublier alors, les trucs. Là j'ai gagné, mais si on fait pas récolter, en fait on... On les perd. Which path? Ah, je peux acheter des... Ah, je peux acheter des trucs. Oh, et là j'ai 64 balles. L'œil de Lamia. Passif, vos ennemis ont 15% de chance de plus de laisser derrière eux de la nourriture. Alors mort. Ok, on a un avantage temporaire une fois acquis. Vous avez un total de 72 sur 100 points de magie. Perdez-en la totalité pour un retour express à la maison de... Oh là là, ça devient compliqué. Ça y est, ça devient compliqué. Combat, c'est du genre de rejureux. Bon, les prochaines salles ne sont pas accessibles tant que t'as pas pris la récompense. Ah d'accord, ok. Le trésor de Gaïa, pour qu'un avantage permanent une fois acquis. Ça sert à financer les travaux de rénovation de la maison de l'Est. Pour aussi servir de monnaie d'échange. Emblème de Némésis, passif. Infligez plus 50% de dégâts lorsque vous attaquez vos ennemis par derrière. En cas de décès, Charon récupère toutes vos pièces. Toutes les ventes sont finales. Mais est-ce que c'est des trucs que je garde après ça? Ou est-ce que c'est des... Ou est-ce que je les ai que pour la run en cours? T'as tellement de trucs à découvrir, j'aimerais être à ta place. tu as joué... Tu l'as fini toi, Angmar? Enfin, tu l'as fait et fini... Ah non, obtenez 12... Ah d'accord, ça c'est obtenez 12 gemmes. D'accord. C'est que pour la run en cours. Sauf là, les gemmes. Que les... En fait, là, le trésor de Gaïa, ça me coûte 30. Mais ça me donne des gemmes. Et les gemmes, ça sert à rénover ma... Enfin, à rajouter des trucs, en fait, dans le hub, c'est ça? Ouais, sauf les gemmes, ok. Et ben, bah, je vais prendre les trucs qui me... Ah mais je peux prendre plusieurs trucs. Ah. En fait j'ai intérêt à acheter des choses. Si à chaque fois que je meurs Charon il récupère mes pièces, j'ai intérêt à acheter un maximum de trucs en fait. J'ai pas d'intérêt à les garder. Finalement ça sera perdu si ou alors Charon il en fait quelque chose et je vais attendre ta réponse du coup. Mais la thune, je peux pas l'accumuler. C'est une fois que je meurs, elle est perdue. Ouais, les thunes sont perdues. Donc voilà, j'ai intérêt à acheter un maximum de trucs. Après, quand je serai meilleur, je pense que voilà, vaut mieux attendre. Parce qu'il y a des meilleurs, il y a sûrement des meilleurs objets après. Mais là, étant donné que je vais mourir dans à peu près 3 secondes. Ça me file un cœur. Je sais pas ce que c'est. J'en ai récupéré tout à l'heure, mais je sais pas ce que c'est. Ah! La débilou! Ils sont où? Mais ils sont où? Ah, ils sont là! Ça envoie de partout quand même. C'est pas du tout comme dans Isaac. Hein. Sa mère quoi.
Mais dans la run elle-même, faut pas forcément... Bah, les premiers trucs, voilà, ouais, donc ça j'avais... J'avais bien compris. Ah non, d'accord, ça ne donne pas un cœur, ça. C'est qui? Ah, ça doit être Aphrodite ou une connerie dans le genre, ça. Ah, un cœur. Aphrodite, évidemment. Ah! Ah! Attention. Elle est pas très habillée. Oui, oui. Ah oui, je suis très intéressé. Aide-moi. Alors, votre attaque est plus puissante et applique l'état affaibli. Ah, ça peut être bien. Ah, il y a des rares en plus dans le... Oh là 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 là. Oh là là. Donc en fait, ouais, à chaque fois, ça, il y a des trucs qui s'appliquent sur le X, sur le Y et sur le B. Donc ça j'ai compris. Votre lancer inflige des dégâts dans un rayon étendu à un état, applique l'état affaibli. Ou sur le dash, il y a un truc aussi sur le dash. Et donc, il y a des trucs normaux et il y a des trucs rares. Votre technique est plus puissante et applique l'état affaibli. Mais ça, c'est mieux ça. Ah, votre technique, ah ouais, c'est pas... Ah d'accord, c'est la technique, c'est pas l'attaque. Addiction d'état. Pendant au moins 4 secondes, la victime inflige moins de 30% de dégâts. Mais vu que je me fais pas toucher, c'est pas grave ça. Ça, voilà, j'ai pas besoin que les ennemis fassent moins de dégâts vu que je me fais pas toucher. Voilà, et suivant plusieurs trucs, tu focaliseras plus sur l'attaque, la technique ou le lancer. Ok. Blacky. On y va pour... Donc ouais. Ok, je vois ça. Ouais. C'est les trucs que j'ai choisis. Ok. Et donc là, je peux aller chez Zeus. Enfin, ouais, appeler Zeus. Il m'a déjà filé un truc. J'imagine que c'est mieux. Et là, c'est Hadès, ça, non? Ouais, chez... C'est qui, eux? Il y a des trucs, il y a des trucs, il y a des trucs à l'écran. Hein. Ok. J'ai 45 minutes pour faire mon résumé de JDR et ma demande de subvention. Sinon, adieu la sieste. Oh, bah alors. Alors, tu vas pas faire la sieste pendant que tu vas me regarder. Je suis triste. Hein. De toute façon, comme Isaac, tu vas choisir des trucs pourris qui combattent pas bien au début et te faire rouler dessus. En tout cas, c'était mon cas. Ah, mais que vois. Mais. Oh, mais vois-je. À Toniob. Tobiob. Est-ce que t'as un rub? Est-ce que t'as un rub à Borpal? Coucou à Borpal. Comment ça va? Alors, Tobiop sur Abbess. Ouais, exactement, ouais. Ah ouais, non mais ta phrase... ta phrase des fautes du début à la fin. Mais je comprends. C'est l'excitation de me voir. J'ai écrit toute la journée, je suis éclaté. C'est ton l'excitation de me voir sur Hades, évidemment. Donc oui, ça y est, j'ai commencé à... Bah, j'avais dit, hein. J'avais dit, quand je terminais ma deuxième save de Isaac, je commençais Hades. Donc j'ai terminé ma deuxième save de Isaac hier. Et en attendant repentance à la fin du mois, eh bien, je vais me mettre sur Hades. À la place du Isaac en fin de journée, comme ça, quoi. Alors, le tir foudroyant. Votre lancer projette une étincelle qui rebondit d'un ennemi à l'autre. Ah, il ira lui épique. Vos effets électriques appliquent l'état choqué. Ah, mais c'est bien, ça, parce que quand je dash, je balance de l'électricité. Vos éclairs ont une chance de frapper deux fois plutôt qu'une. Ah, va prendre ça. Est-ce que comme dans Isaac, il y a des objets qui sont plutôt négatifs, enfin des compétences là, enfin, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs dans le jeu.
Mais des trucs qui sont vraiment... des trucs qui sont vraiment négatifs, quoi. Genre, genre Soy Milk, ou bah, après on tape plus du tout, quoi. Ah, il m'a tapé, lui. T'arrêtes de me taper, hein. Bordel. Non, mais qui améliore pas vraiment ton build. Ouais, d'accord. Par contre, selon les associations que tu feras, ça sera plus ou moins efficace. Donc tu peux faire de mauvais choix quand même. Oui, effectivement, il y a des mauvais choix. Mais dans Isaac, il y a vraiment des objets où ça te pourrit une run, vraiment, quoi. Donc là, bon, les améliorations restent des améliorations, quoi. Perso, je te conseille de focus sur 2 ou 3 dieux maximum. Mais bon, je suis pas expert. Sur chaque run, en fait, c'est ça. Mais pas dans la globalité du jeu. Et sur chaque run, tu me conseilles de pas trop m'étaler sur plusieurs dieux, quoi. Ouais, par run, ok. C'est tellement pas le même feeling qu'Isaac, quoi. Il y en a partout sur l'écran et tout, c'est ouf. Tu devrais indiquer si tu veux du backseat ou pas. C'est vrai, je devrais l'indiquer. Après, y a pas trop de monde, donc... y a pas trop de monde, donc... lorsque vous allez lancer, juste avant de subir des dégâts, un ennemi à proximité est frappé par la foudre. Et frappé par la foudre qui vous traîne et vous entend. Non. Votre lancer projette un seul qui rebondit d'un ennemi à l'autre. Ah, genre à chaque fois que tu ramasses un bienfait. Pour le moment, j'ai envie de tester par moi-même. Et donc c'est les bienfaits. Ah bah oui, c'est marqué les bienfaits de Zeus. D'accord, ça s'appelle les bienfaits. Comme ça, je vais commencer à apprendre les termes du jeu. Mais pour l'instant, j'ai envie de choisir. Et puis je vais bien voir ce que ça donne, quoi. L'ennemi vous infligeant des dégâts sera ensuite frappé par la foudre. Donc là, ok, c'est des trucs de défense. Là. Votre lancer projette une étincelle qui rebondit d'un ennemi à l'autre. Mais le lancer, je l'utilise pas en fait. C'est con, mais je l'utilise pas pour l'instant. Ok. Plutôt prendre ça. Prends le choix numéro 4. Putain, le mec il spoil. Putain, le mec il spoil. Alors des gemmes, ça sert à améliorer le hub. Et ça me sert à acheter des merdouilles. Moi je veux acheter des merdouilles pour l'instant. Ah ouais, direct. Ah ouais? They got me. No way to patch up. Got to keep going. Alors. Ah, de la nourriture. La bouffe, c'est pas mal, hein. Je l'avais tout à l'heure, là. Les pièges. J'ai pas de pièges. Le plus 50 de dégâts. De toute façon, je peux acheter plusieurs trucs. Je vais acheter ça. Et je vais acheter ça. Et je vous laisse. Bonne soirée, bonne découverte. Et bah merci Angmar d'être passé. Merci beaucoup. Et puis bah voilà, n'hésite pas à revenir. Hein. Il y aura du Hades. Il y aura du Hades très souvent à partir de maintenant.
Skulls. Oh, oh les petits bâtards. Oh les petits enfoirés. Ah comment je me suis fait défoncer. Oh quoique 11 points de vie en fait. J'ai pris 11 points de vie. Ah non parce que j'ai ramassé du ouais j'ai ramassé en plus de la vie. Donc ouais non j'ai pris plus que ça. Ça sert à quelque chose que je casse les pots comme dans Zelda ou pas? Ah là ça va me donner de la thune. Hein? Pourquoi la salle elle est comme ça? Hein? Qu'est-ce que? Pourquoi la salle elle est comme ça? Beyond the present chamber lies the outermost perimeter of Tartarus. Promising terrifying dangers far beyond the underworld. Coucou Bibi. Reckoning. And I can reckon quite a bit. Ok. Ah et moi on a Charon, d'accord. Good to see you, Charon, mate. Just minding my own business, taking in the sights, and hey, what's that you got? Some sort of wares for sale? And I'll just have a look around. Un petit coup d'œil, ok. Ah mais j'ai plus rien. Hein? J'ai plus de thunes. C'est quoi ça? Ouais mais les pots les plus intéressants sont dorés, donc tu peux... Donc tu peux les repérer. Ah donc je peux avoir des trucs dans les pots, d'accord. Ok. Parce que pour l'instant j'ai rien eu. Hein. Dans les pots, pour un... enfin, ou alors j'ai vraiment pas fait gaffe. Mais je crois que j'ai eu que dalle dans les pots. Well, this is awkward. Pot Sagrius. Ah la mégère, ok. Voilà qu'elle a qu'une aile. T'as pas de pot. Ah bravo Bibi, hein. Tu m'as habitué à mieux. Come on, Meg. Haven't we had more than enough of each other by now? Besides, don't you have some place else to be? Your father sent me. All in all, I'd rather be on your bad side than his. Now you can turn back like a good little man, or I can send you home the painful way. What'll it be? I'll have to go with the painful way. Ok. Donc. Donc, premier boss. Ouf. Oh là là, merde. Ah putain. Aïe. Aïe. C'est là que tu meurs normalement. Enfin, je suis peut-être mauvaise langue. J'ai pas du tout vu, il lui restait beaucoup de vie ou pas? Sa jauge de vie descend super vite. La mienne ou la sienne? J'ai absolument pas fait gaffe en fait. J'ai pas encore les réflexes hein. Plus de la moitié, je lui ai fait plus de la moitié. Ah. Ouais, j'ai un peu galéré. So Megara herself got you last time. That must have been intense. She's fast and strong and beautiful and anyway, I hope the fate. Emmanuel Moir. Il y a Emmanuel Moir dans le jeu. Non, il lui restait plus de la moitié. Ah. Ah d'accord. Yeah, I hope so too. Ah d'accord.
Bon, faut que... Someone's at the desk next to the throne. Où je m'améliore, quoi. Happen to know whom I should thank for the weapons just outside my chambers, Achilles? I'm sure I wouldn't, lad. Though if I happen to run into them, I'll let them know. C'est moi ou papa, personne peut le blairer. If I sit down, I won't want to get back up. J'ai comme l'impression que personne peut blairer papa. Who's that sniveling shade to your immediate left there, father? Already found someone new to do the busy work. And here I thought I was utterly indispensable. That shade boy is my newly designated contractor. One whose responsibility is to work on this house. Though who shall pay for everything my subjects here demand, I do not know. You're trying to guilt me into funding the exorbitant furnishings you desire. Ah, c'est là où je vais améliorer les trucs. With repairs for all the carnage you have sown throughout my realm, then we might finally have time for all the needed renovations that have piled up. Nice. Petit chien. How you holding up, boy? Eating well lately? Each terrifying maw of the infernal watchdog Cerberus. You don't like it when I pet your other heads, huh? No. Oh, please. Chien. Moi je vais faire des caresses au toutou. Some sort of special offer for me, my good shade. Ok. Alors la fontaine tartare. Restaure un peu de cœur dans l'obscurité. Work authorized. A fountain chamber in the depths of Tartarus sounds like an excellent idea. What's that there? Something from the fates. Voilà, alors. Oh, il y a tellement de trucs. J'en ai combien là? J'en ai 12. Les appartements. Le bassin divinatoire. Un œil attentif peut déceler les faibles traces du passé. Cage mineur. Certaines chambres peuvent contenir un coffre infernal. La valeur du trésor dépend de la vitesse à laquelle vous venez à bout de l'ennemi qui le protège. Ok. Je ne sais pas du coup. Ornement, mais ça on s'en fout. Il faudra que j'achète tout évidemment, mais parce que voilà. Mais bon, on va commencer par Le début. Là j'ai plus de thunes, enfin, j'ai plus de gems. J'ai plus les gems. Darkness guide you, child. You have outgrown this house. Of that I am now certain. Should you return again here, I shall keep you safe. I won't forget you, Nyx, I swear it. Ouais, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas la dernière fois que je vais lui parler, hein. J'ai quand même l'impression que je vais continuer à lui parler, hein. Pas sûr, mais alors du coup, c'est quoi ça? C'était bizarre le serveur. Ah, ok. Mais non, moi je veux. Hop. Ah, le prochain c'est 500 balles. Oh là là. Oh là là. Et 5 clés pour déverrouiller les trucs. J'en ai que 3. Donc maintenant, normalement, j'aurai refus de la mort, c'est ça? I'll sleep when I'm dead. Et donc là, j'ai machin. Let me give you a piece of advice, boyo. You run across a guy like me out there, you just give him a good stab right in the back without a second thought before he sends you crying back to papa. I'll keep that in mind, mate. No keepsakes yet. Offrir du machin à quelqu'un afin d'obtenir ce souvenir. Oh là là. Oh là là, mais il y a tellement de trucs. Ah, ça me bouffe des clés. Donc je pourrais débloquer là le bouclier là. Sauf que mes clés, moi je veux les garder.
pour le reste du bordel. Et puis pour l'instant, j'ai pas besoin de nouvelle arme. Déjà, si j'arrivais avec cette arme-là, ce serait déjà pas mal. Allez, let's reparti. C'est Thor ? Le marteau de Dédale. Nova percutante, votre technique vous projette en avant. Vous en robuste pendant une seconde. Déluge de lame. Maintenant enfoncez votre bouton d'attaque pour frapper en continu, infligeant ainsi 25 points de dégâts de base par coup. La tectonique. Ayez une danse dégueulasse et les ennemis auront tellement peur de vous qu'ils se barreront et se suicideront. Ah oui, ah ouais, fait peur la tectonique. Hein. Putain. Votre attaque devient une puissante fente infligeant 90 points de dégâts de base. Ah! D'accord. D'accord, maintenant ma lame est lente, mais je fais mal. Ok. Je vous ai compris. Brimstones. C'est quoi ces conneries? Donc, Avorpal, il m'a dit les coffres dorés. J'en ai pas. Donc là, c'est quoi? Là, j'ai ça doit être Poséidon, celui-là. Non, mais merde, Poséidon, c'est lequel? Je sais plus. Ou Neptune. Oui, c'est les mêmes, mais grec et romain. Donc ça doit être Neptune, je pense. Je sais plus. Oh, j'y connais que dalle en mythologie. Je vais pas faire genre. Et ça, ça doit être Arès, non? Dieu de la guerre? J'en sais rien. Ah ok, il y a des patterns de salles qui reviennent. Et merde, je me suis fait toucher. This one was bound to show up, I guess. In the name... C'est Arès. Oh là là, je suis pas si mauvais que ça. Hein. Most intriguing, and yet no surprise for someone born in hell itself. You come on out of there and tell me all about it. I'm a fellow student of death, you see. Alors, sort d'agonie, votre attaque. Applique l'état maudit. Le tir tranchant, votre lancer crée une faille tranchante. Et élan tranchant, votre élan crée une faille tranchante à votre point de départ. Ah, compris. Je suis le stream, mais je joue à Diablo 3 en même temps. N'hésite pas si t'as une question, Dak. Je te demanderai. Tu fais du Diablo 3 alors? J'avais vu ouais, que t'avais relancé le jeu. Mais je savais pas que c'était un truc. Tu faisais ça régulièrement quoi. Et je sais tellement pas. Autant je suis hypé pour Diablo 2, le remaster là. Parce que j'ai passé tellement d'heures sur Diablo 2. Mais alors, Diablo 3, je l'ai fini une fois et puis c'est, voilà, j'ai arrêté. Mais tu joues avec qui du coup? Tu joues en solo ou tu joues avec des gens? Oh, ça fait mal. Ok, donc le nectar, c'est des trucs qu'on va filer à des gens. I've got it. Bah là, j'ai pas le choix, donc j'y vais. Hein. Comment je fais mal? Comment je leur fais bobo? Next. Ah.
des Sioux. Ah, c'est quoi ça? Ah d'accord. J'ai pas regardé c'était quoi. Tu joues tout seul tranquillou. Ah oui d'accord. J'ai compris. J'ai compris que j'allais me faire défoncer. Eh bah dis donc. Ah, c'est l'autre alcoolique. Tout seul, mais d'ailleurs, je suis méga hypé par Diablo 2 si tu veux le faire. Ah ouais, non, mais Diablo 2, ouais, non, non, vraiment, j'ai tellement envie de me le refaire. Et il sort quand d'ailleurs? Parce que j'ai vu le truc, mais j'ai pas regardé quand est-ce qu'il sortait. Dionysos. Tes lacets sont défaits, tu marches dessus. Non, c'est autre chose. Attends, j'ai pas lu. Comment ça va, mec? Écoute, faut vraiment que tu te dépêches de nous rejoindre. On est en train de picoler tout le vin. En attendant, je vais voir ce que tu peux faire pour rendre la vie un peu plus facile là-dessous. Alors, un toastiqué. Ok, vous subissez moins de dégâts parce que vous avez 40... Ah! Oh! Et votre santé augmente lorsque vous ramassez du machin. Récupérez immédiatement un machin. Du nectar, c'est ça. C'est le nectar. C'est bien. Ça va me filer un nectar tout de suite. Et ça me... Voilà, et puis ça, en plus ça me refile de la vie quand je prends du nectar. Ouais, c'est quoi ça? Damned lost souls with nowhere left to turn congregate in deepest Tartarus, where they fuse together with the earth itself into odious forms which defy description. They basically turn into big crystals. Ouais, c'est bien résumé, bien résumé. Oh no. Quoi? All right, rushes, get to work. Qu'est-ce qui se passe? Non. Ah, il y avait du temps. Ah non, d'accord. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris c'était quoi le but. Ça y est. Le but était de survivre. D'accord. Bon bah, j'ai survécu. Merci. Oh, ils m'ont tous mis la max. Oh, j'ai pris tellement cher. Ah, 100 boules. 100 boules. Combien? 100. 100 boules. Alors, de la tunasse. Ou la pasté casse là. Je sais pas ce que c'est la pasté casse. Mais Mais j'ai plein de thunes. Ouais, j'ai déjà plein de thunes. Je suis à 268. Ouais, non, mais ça me sert à rien du coup. Je vais tout perdre parce que je vais mourir. Hein? Ah! Fontaine. Restaurer des points de vie.
Ah, trop bien. Ok. Il y a un truc là-bas que je peux aller voir. Regardez. Examinez. En vrai, je sais. Attends. En vrai, je sais pas si tu l'as fait au lancement, mais Diablo 3 est devenu trop bien. L'extension ajoute pas mal de choses, c'est devenu un bon jeu. C'est pas le même feeling que le 2, c'est sûr. Ouais, non, moi je l'ai fait au tout début en fait. Et, je l'ai fait, il n'y avait pas encore les machins, comment ça s'appelle, une fois que tu as atteint le niveau max là. Les Prometheus ou les trucs dans le genre là. Je m'en rappelle plus. Et les palangrons ou... Non, je me rappelle plus du tout, dis donc. Jamais joué au 2, ni au 3, ni au 1 non plus. J'adore. Les parangons, voilà. Les parangons. Quand j'ai joué, il n'y avait même pas les parangons et tout. Et regardez. Un truc qui se cache là. Bon. Non mais c'était nul au lancement. Déjà le lancement de Diablo 3, déjà il fallait à peu près 12 heures pour pouvoir se connecter et jouer. Donc effectivement déjà c'était pas ouf rien qu'à ce niveau là quoi. Oh mais les trucs je sais pas ce que c'est là, c'est... Ah, je vais récupérer un point d'exclamation. Ou je vais récupérer des bitonio là. Bah vas-y pour le point d'exclamation, je sais pas ce que c'est, on va tester. Hein. Ah! Qu'est-ce que c'est? Mais oh là là. Oh, y a trop de trucs. C'est monsieur. Machin avec son boulet. Ça, j'ai entendu parler. Tout le monde l'aime bien. Machin avec son boulet. C'est Sisyphe. Ok. Bah, moi, tu vois, Blackie, j'ai fait le 1 de Diablo. J'ai fait le 2, j'ai fait le 3. Je les ai tous fait. Le 1, j'y jouais même. Oh là, ça va être l'anecdote de vieux. Diablo 1, j'y jouais en réseau par modem interposé. Alors, c'est pas par internet. Hein. C'est par modem interposé. Donc, chacun avait un modem 56K. Et en fait, tu contactais. Enfin, t'appelais le jeu appelait l'autre numéro de téléphone et l'autre de l'autre côté en fait devait décrocher avec le jeu et ça créait une connexion en fait directe modem à modem. Truc de vieux. et on jouait comme ça aussi avec une pote. Et on jouait à Diablo 1 en réseau directement avec les par modem interposé, le truc de taré. Voilà. Do me a favor though, you see the Fury sisters, let them know I was headed down the way I came from, will you? Oh, I'll let them know, all right. I hear you loud and clear, your highness. I'll just go about my business now and you take care. Ah, Sisi vous propose furtivement divers bénéfices. Soins. Les obsidiennes. Ou les oboles de charron. Ah, c'est pas de la tunasse en fait. C'est des oboles de charron. Moi, j'ai fait que du réseau local, c'était trop bien. C'est un bon jeu là, hein. Enfin vraiment. Les obsidiennes, là j'en ai 5... Ah 55. Oh là là, mais ça y est. Ça y est, le jeu devient easy. Est-ce que je me remets de la vie? Ouais, je me remets de la vie. Ça me refile combien? 42 points de vie, ça m'a filé plus de points de vie que j'en avais perdu. Pas monter les escaliers là. Ah et le prochain truc me refile de... Enfin va m'augmenter... Ah non, il y avait un truc là. Il y avait un hibou. J'ai loupé le hibou.
Mais avant la sortie du remaster du 2, si tu veux tenter une soirée sur le 3, tu vois que ça vaut le coup. Et le contenu post-game est fou. Ouais, non, franchement, ça me tente bien. Ça me tente bien. Faut que je réinstalle le Blizzard Launcher. Mais ouais, non, ça me tente bien. Ouais, une petite soirée. Petite soirée Diablo 3. Ça serait bien qu'on propose aussi sur le. Sur le collectif. Parce que je pense qu'il y a des gens qui pourraient t'intéresser par ça. Pourquoi ils ont peur? Voilà, je pige rien. Hey Caron, if there happens to be something really horrible awaiting me beyond that door, then. Le mec il discute pas trop loin. C'est quoi ce truc là? Ah d'accord, je peux avoir un truc de Zeus. Donc je peux acheter des obsidiennes. Si je commence à comprendre comment les trucs s'appellent. Acheter une grenade. Ça me coûte 100 balles, il me reste 259. Ah, je peux tout acheter. La grenade, ça donne quoi? Ah, la grenade, ça me permet d'augmenter un truc. Ah, ok. Et puis un petit. À défaut d'avoir été bercé par Diablo 2, j'ai tourné mes yeux vers Sacred et Titan Quest. Genre tout de suite maintenant là. Comment ça s'est passé au fait ta game hier de Frostpunk? Ça a été? Comme t'as voulu ou votre technique, votre lancer, votre élan? Ouais dans mon sale élan j'aime bien. J'aime bien. Voilà, regarde. Hop là. Hop là. Allez, tout le monde est flippé là, comment ça se fait? Stubborn, aren't you? Maybe my whip might make you reconsider whatever it is that you're attempting here. Your whip's not been all that persuasive in the past. Oh la 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 la! For both of us. Come then. Ah bah fais d'autres trucs! Mes points de vie. Ouais. Ok, mon refus de la mort. J'ai pas trop compris comment on évitait son tourbillon là. Ah oui d'accord. Ah c'est comme dans Isaac. Non 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 non, barre-toi. Oh là 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 là. Putain, 34 points de vie, je vais crever encore. Ok. Ouf. Non 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 non. J'ai plus rien comme pi, mais elle a plus rien non plus. Wesh. Ça peut backseat, esquiver ça permet d'éviter les dégâts. Oui bon c'est vrai que j'y suis un peu allé à la bourrin, là j'ai foncé quoi. Ah là vous avez dit trop de trucs pendant le combat. Mon scénar de Frostpunk, comment dire. Voilà.
J'ai jamais vu la fin de Titan Quest, ni celle de Sacred d'ailleurs. Sacred, j'étais bien avancé. Je crois que je bloquais sur le boss de fin. Bien. Grim Dawn. Grim Dawn, j'ai fini la version sans les DLC, c'était super. Oui. Bon, ah, par contre, il me reste 6 points de vie. Hein. Du sang de titan. Les gens traversaient Tartare. Ah oui, yeah, il le dit. J'aimerais bien un petit truc pour me rebooster là parce que j'en ai pris plein la tronche. Eh mais troisième run, je casse la gueule de mes gères. Hein. Ça c'est quoi? Vendre ou acheter? None other than those in the trusted inner circle of Lord Hades are authorized to enter the intricate chambers connecting the vast regions of the underworld. But the prince decides to barge in anyway. I barge where I please. Ah, je peux vendre du je peux vendre quoi? Ah, je peux vendre des trucs que j'ai récupérés avant et ça va me filer de la thunasse. Oh, mais non. Et je peux acheter des trucs qui sont à côté. Oh là là. Oh là là, c'est tellement compliqué. et vous trouvez que Isaac, c'est compliqué? Baiser du Styx, instantané, restaurer utilisation de votre refus de la mort. Ah d'accord, donc je pourrais avoir un refus de la mort. Pelote d'Ariane passif, votre prochain bienfait que vous trouvez sur cette qualité supérieure, d'accord. Passif, obtenez. Pour votre lancer. Non, mais non. Je vais garder ce que j'ai, quoi. C'est vrai que j'ai jamais été aussi loin. Moi, je pense que je vais pas aller très très loin, parce que vu les points de vie qui me restent. Now we're getting somewhere. Verdant plains of Asphodel are now engulfed in scintillating flame, having been flooded by the river Phlegethon, whose hideously superheated contents could bring death swiftly even to those resistant to most heat. I'm only flame resistant, not flame proof. Non! Ils viennent de me dire que... Et moi je me fous dedans? Oh, c'est beau quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est beau. Non, mais merde, j'ai pas pris le bon bouton. Je peux pas. Je voulais aller là-bas, mais je peux pas. Slam dancers. Quoi? Verrouillé. Alors, 100 balles. Donc maintenant, j'ai ça. Hein? Merde. Merde. Ah merde, j'ai voulu récupérer de la vie et j'ai récupéré la mort. Exactement. J'aurais pas mieux dit, hein. Alors, je vais pouvoir commencer à offrir des trucs. Ah, mais il est plus là? Il est où là? Il est où Roupillon? Il y avait Roupillon avant.
because of him. Bestowing on him all their worthless blessings here within my realm. Our realm. Explain to me how exactly this is possible, Nix. Either your limitless power has considerably waned, or you are up to something. Oh, il est malin. Il est malin. Do not question my power, Hades. Your son was bound to be discovered the closer he came to the surface. The Olympians are pleased to know they have a distant relative and bid him welcome to their mountain. That is all. Their influence is very limited. Lord of Darkness, do not speak to me about their influence. I've seen their influence firsthand. You've made a foolish mistake. You would speak to me of foolish mistakes. You cannot change the course that has been set. Try all you like. Nix. Oh. Ils sont en train de s'engueuler les deux là. Du coup pour Frostpunk, j'y retourne ce soir. Ce sera peut-être la bonne. J'avais oublié le truc hyper important depuis le début. Must have missed Achilles. Ah ouais? Mais tout le monde s'est barré? Alors le toutou. Ah, je peux offrir le truc au toutou. Oh. Ah, quelqu'un de nouveau. The prodigal son returns. Everyone's saying I went easy on you, Zag. Don't worry, Meg. I eventually managed to get home the painful way after all. Look, I have a reputation to uphold. You get past me again like that, you best go all the way. Now leave me be, and don't think you're gonna be so lucky next we meet out there. Ah, y'a un truc là, regardez. Once was a small lounging area within the House of Hades, now is sealed off in utter shambles since the multi-headed Cerberus tore the space apart, warning the missing prince. Cerberus destroyed the lounge again. I can't afford any of this. Oh, c'est bien. Oh là là, c'est bien. Vous vous lancez le truc et vous dites direct que vous pouvez rien prendre. Guess what, boy? Made it all the way to Asphodel last time. I fully understand how come you never liked it there. Now to trek on back, I guess. Take care. Despite the underworld prince's optimism. His old companion, sir. Here, boy. Just as long as one of your three heads enjoys these pets. Bon, je vais lui filer le truc. Mon petit chien. C'est mon copain. Look what I got for you, boy. As one of Cerberus's heads receives the prince's gift, another muzzles something back into his hand. Thank you, boy. Nouveau souvenir. Not everybody knows exactly how to give you pets and live to tell of it, right, boy? Petit chien. Trop mignon. Mon papa, je peux pas lui parler, il fait la gueule. Hein. Alors. Who needs sleep? Donc, les 5. Ah, j'ai pas encore les 5 clés. Oh. Présence sournoise. Plus, plus de dégâts d'attaque et de technique. Ok, on va prendre ça. Hop, on va faire ça. Ce qui va nous soigner à chaque fois qu'on sort d'une salle. Mais de plus 1, c'est pas énorme. Mais bon, c'est quand même quelque chose. Il me reste combien? 60. A chaque fois c'est 10% quand je les tabasse par derrière. Ou les réflexes. Allez, go. Go. Now we're talking. Je
faisait déjà des flammes par terre quand je courais. Hey Skelly, you look like you know your way around Tartarus. Found some of this ancient Titan blood out there and I was looking to score some more. Ah, you come to the right place regarding that there, pal. It's your mean weapons back there that can find this stuff. Once you get all the way through Tartarus with one, that's all the blood you're gonna get. For the time being, anyhow. Ok, donc à chaque fois on gagne un truc, à chaque fois qu'on change l'arme, quoi. I don't know, there's always the invention of writing stuff down. You'll figure something out. Il se fout de notre gueule, ce con. Ah, je peux lui offrir des trucs à lui aussi. Oh là là, mais... Got something new to try. Le vieux collier à pointe. Emporter 25 combats avec celui-ci pour le faire passer au rang supérieur. Ah, je peux équiper des trucs. Je peux en équiper combien ? Bah ouais, évidemment que ça devrait aider. Est-ce que je peux lui filer Et puis là. Et mes gères, elle est plus là. Je peux lui filer le deuxième, non? Non, je peux lui en filer qu'un, d'accord, ok. Non, bah... Bon, mon deuxième machin, je vais le filer à un truc, là. Allez, tiens. Cadeau. For me, pal? Awful nice, you're just awful nice, but guess what? I got this for you. Cheers, mate. La dent de Thanos. Ah ouais? Et donc, ça m'a rien donné. Ah si, elle est là. Reste automatiquement jusqu'à 5 lorsque vos points de vie atteignent 0 une fois par tentative d'évasion. Ah, c'est l'un ou l'autre, d'accord, ok. Donc là, j'ai plus que 50 points de vie hein, pour commencer. Let's see here. Et là... Ok. Ok. Je commence à comprendre le truc. Hein. Oh, c'est quand même assez ouf comme jeu. Hein. Et tout l'or, enfin c'est assez dingue. Hein. Allez, Ares. Sans ennemis depuis le début. Eh bah dis donc. Alors, t'attaque, applique l'état maudit, sort de douleur, votre technique, applique l'état maudit, votre élan, quand une faille tranchante à votre point de départ. Allez, go pour l'élan. Alors, ça je sais pas, et ça, c'était Aphrodite ça? Ça c'était Aphrodite il me semble, on va prendre le truc que je connais pas. C'est quoi ça? Ah, c'est Athéna, d'accord, ok. Pas dans le fond de mon lieu que je tenais, hein. Et qui m'a fait une avec un, mais qui m'a décidé à agir. Ok, votre attaque est plus puissante. Tu peux effectuer un renvoi. C'est bien. Faire de phalange. Votre lancer inflige des dégâts en zone et renvoie toute attaque. Les pièges vous infligent moins de dégâts. Wisdom guide me. Let me see.
Alors là, nous avons un gros marteau ou une grenade. La grenade, ça va améliorer quelque chose. Allez. Donc on va soit les lentranchants, hop, soit l'attaque plus balèze. Got to use the fountain to get out of here. I'm as healthy as can be, but cheers. Ok, une clé, ouais, je préfère les clés, because ça va me permettre de débloquer des machins là. Allez, de la life. Who dies first? De la thune ou Zeus à prendre la thune. I think I hear the river. The infernal wares of the Stygian boatman Charon lie sprawled about, available for sale to whomever will be. That would be me. Fine day to you as well there, mate. Now let's have a look at your supply, shall we? Alors, 62 de toute façon, bah je vais prendre une clé. Should come in useful. C'est cool les clés. Ça a commencé. Ça me permet de débloquer des trucs. Mais de toute façon, oui, je vais jamais aller très loin donc le but c'est que je débloque un max de compétences quoi. Ah! Là il y a Dionysos, mais là je piche pas parce qu'il y a deux trucs. Je vais avoir le choix. Je teste. Faut que je teste. Time to pick sides. Ok, donc effectivement. Mais j'ai déjà chopé un. J'ai déjà chopé quoi? Élan tranchant. Frappe divine, c'est qui? Je sais plus moi. Ok. Vos ennemis vous infligent moins de dégâts, vos attaques pouvant effectuer un renvoi, appliquez également l'état exposé. Exposé c'est quoi? Plus de dégâts quand l'attaque est de dos, d'accord. Lancer, inflige dégâts en zone 1. Allez. Did I detect some hesitancy on your part just then? Perhaps you knew that you were making a mistake. Don't kill me, Ares.
D'accord. Donc en plus, d'accord. Donc ils sont jaloux entre eux, quoi. Quoi, mais... Putain, j'ai pris tellement la max. Oh. J'ai compris. Donc on en choisit un, on fait un combat qui a un rapport avec l'autre. Ok. J'ai pas fini le résumé du JDR, mais je me tiens plus à la sieste. Même si c'est 10 minutes. Bah, bonne sieste. When blood is spilled and death is dealt, I simply cannot... Ok. Lancer. Votre lancer crée une faille tranchante. Rage de combat. Lorsque vous tuez un ennemi, votre prochaine attaque ou technique inflige plus de dégâts. C'est bien ça. Ah oui, les failles tranchantes, plus grande surface. Oh, rage du combat. Et ensuite, je ne sais pas où une clé. Eh bien du je ne sais pas. Within the depths of Tartarus reside the most wretched of all the shades who linger for eternity within the underworld. Lots of wretchedness to go around, I guess. Your Highness. Hey, sir. Ah, d'accord. Le point d'exclamation, c'est lui à chaque fois, d'accord. You know, Princess, I'd not expected to run into you again, not after all this time. Something amiss down in the house, or what? Well, something's just about always amiss back home, sir. Figured it couldn't hurt to check up on things in Tartarus a bit more frequently. Well, I am grateful for it. I am the old boulder there, in turn. I'm used to going lengthy stretches on my own, but having visitors from time to time would do me well. Alors, de... Ouais, bah non, je vais prendre de la bouffe parce que... Là, j'ai pris tellement cher juste avant. Oh, please have mercy and all that. Please have mercy and all that. J'ai pris 20 dégâts quoi. Frappe divine. Élan tranchant ou la peau de bronze. Et hop. Ah, il y a un truc là. C'est pour acheter ça. Dur et 3 combats. J'ai 50 à l'armure de vos... Oh là 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 là, oui c'est bien ça. Ouh c'est bien. Oh là c'est bien. Donc de la thune ou... Un marteau. C'est quoi le marteau? Je vais essayer un bienfait. Ah, attendez, y a Rabia qui chiale. J'y vais. Je reviens. Ah, ça y est. Alors, votre technique s'abat sur une zone plus large. Et inflige plus 20% de dégâts, ça c'est pas mal. Votre attaque inflige plus 200 de dégâts lorsque vous frappez vos ennemis par derrière. Mais j'arrive pas encore à taper les ennemis par derrière moi. Allez, supernova. Done and done. Ah mais ça mais gère. Oh non mais j'ai pas assez de thunes là, enfin j'ai pas assez de vie. Je suis à 5. Oh là là, tout à l'heure j'étais à fond niveau vie et... Et elle m'a déglingué déjà. Hello, Meg. Even if you managed to get past me, there's no getting out of Asphodel. You saw what it was like. You really want to go back? Tous les dialogues qu'il y a dans le jeu, tous les dialogues, c'est ouf. It's not a matter of want. The way out is there, in that direction, past the river.
You're more stubborn than your father. Oh, c'est mal. Oh non! Ah oui, je peux envoyer des trucs. Je vais tout renvoyer dans sa tête. Merde. Non, on m'a eu. Zut. J'ai commencé, j'avais pas cette vie, il y a des trucs, je déconne. Mais le renvoi, c'est vachement bien. Shades of the dead mill constantly within the house, complaining of their woes. I listen. Hypnose. Hein. She is unstoppable, isn't she? One time, I tried to stop her on the way to have a chat with your dad, and she didn't even turn her head. My condolences. You're back. You'll get the hang of it out there, lad. For all our sparring practice, there's no teacher like the real thing. Now then, I have something for you. What, wait, you're giving me your codex? I can't accept something like this. Please, I insist. I want your love of history to grow, not just your love of warfare. Besides, maybe you can finish out the rest of it. I'm grateful. Okay. J'ai le codex. Oh là là. Alors... en apprendre plus en discutant avec Nyx, avec Charon, avec Hypnos, avec Mégère. Oh là 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 là, ça n'arrête pas. Donc oui, il va falloir discuter avec tout le monde. Les autres persos, à chier là. Sisyphe, Cerbère, on a déjà un petit cœur, trop bien. Thados, on a un petit cœur. Les enfers, on a la maison d'Hadès, ouais, on a le Tartare. En visitant cette région, ok. Oh là, il y a tellement de régions là. En tuant vos ennemis avec cette arme. Ça n'a pas de fin. Hein. Comment ça va toi? Hey boy, just me again. Here to report, it's pretty dangerous out there even. The venerable hound of hell barely acknowledges the softly spoken princess. Always feel better talking to you, boy. Okay. Father, what happened to the lounge? The only place for anyone to have a little fun. Oh, I had little choice about that, boy. You see, after you fled the first time, Cerberus, why, he was very much upset. Utterly tore the place to shreds. It's now under repair. All thanks to you. Genre, c'est de ma faute. You're really blaming me for not minding the dog while I was out and while you all were here. I lay the blame entirely upon you, yes. Who else? It's fortunate that Cerberus has calmed himself since then. Come to his senses, I should say. May you yet.
là j'ai pas de thune normalement. C'est ça, j'ai que deux. She's doing all right. Alors, allons débloquer quelques petits trucs. Parce que regardez, maintenant, hop, à débloquer aide. Alors ça, coup de sang, qu'est-ce que ça me donne? Infligez plus de dégâts d'attaque et de technique lorsque vous frappez les ennemis en dés. Machin en œuf. Et âme infernale, augmentez votre réserve de machin pour votre lancer, plus 1 par niveau. Je peux en balancer plusieurs, mais j'ai pas compris le lancer encore à quoi ça servait vraiment quoi. Ok. Sans. Skelly, you're pretty quick, you know, boyo. Just be sure to use that fancy dash of yours and keep him guessing. Don't let him catch you standing still. Dash like mad instead of standing still. That's not the worst advice, I guess. Which to choose? Donc ok, je l'ai avancé celui-là. Remporter 16 combats. Pour faire passer au rang supérieur. Donc, ok. Je l'ai avancé un peu. Ah, il y a un truc que j'avais pas vu. The courtyard of the House of Hades is kept neat and... It's not that orderly, really. Again. Et oui, encore. On va essayer de faire mieux. That sound. Hey Dionysos. Sometimes I have to wonder, man, what's going through your head? I mean, I know you hear me and the others, but it's so damn dark down there, I can't hear you at all. Alors ouais, il entend rien parce que surtout il est complètement défoncé. Votre technique applique l'état intoxiqué. Votre lancer devient un projectile qui explose dans un brouillard festif. Élan et méché, votre élan permet d'appliquer plusieurs fois l'état intoxiqué à proximité de votre point de départ, ok. Facile d'utiliser le tir quand même, parce que... Oh, j'ai déjà pris des dégâts, quoi. Composed of such innumerable, ever-shifting, interlocking chambers, the underworld of Lord Hades all but get... Good thing I'm not dead. Ok, allez, let's go. Oh là là, ça commence mal, hein. Ah oui d'accord, il y avait encore d'autres choses. Ah oui mais... Ah ok. Ok, il y avait encore des trucs. Les crânes acier, oh là là. Oh là, mais tellement d'ennemis. Le sang de titan. Mais le marteau de dédale, ça reste un truc, ok, ok, au bol de charron. Eh bah... let's go pour la grenada.
Et ensuite, soit clé, plutôt ça. Parce que j'ai débloqué dedans, mais j'ai débloqué un truc. A divine arrow. Ah. There's only one heavenly archer I know of. Well. Un petit nouveau, c'est qui ? Artemis ! Une petite nouvelle. The power of the hunt helps keep me company, so maybe it'll help you too. Alors, technique mortelle, votre technique est plus puissante et a 20% plus de chances d'infliger des dégâts critiques. L'élan du chasseur, votre assaut inflige plus de dégâts, ça c'est cool. Tous les dégâts que vous infligez ont une chance d'être critiques. Non, je vais prendre ça. Sounds like good company to keep. Look who. Arrête. Mais pourquoi je me fais toucher par ces machins là? Je devrais pas me faire toucher par ça quoi. Sens vital, hein, restaurer jusqu'à 22 points de vie. Non. Ah, je peux lui offrir des trucs à Aphrodite. Oh. Bah ouais, on va tester. Lady Aphrodite, I am truly blessed simply to have made your acquaintance, so this is for you. Lasting relationships are built on reciprocity. So if you lavish me with gifts, why, what am I to do but give you something in return? I'm honored, Aphrodite. You've had a brush with Megara the Fury, haven't you? Oh, I know a thing or two about that one. Alors, votre attaque est plus puissante et applique. On y va, hein, parce que j'ai des trucs déjà sur puissance plus. Une fois tué, vos ennemis infligent des dégâts aux autres ennemis en proximité tout en leur appliquant l'état affaibli. Ok, technique. My heart is full. Paf, un petit cœur sur Aphrodite. Un. Non, je veux acheter des trucs, donc on va prendre ici. Blood and darkness. Let's see your relatives upon Olympus. Get you out of this. Ah, dans cela, faut que je survive, c'est ça. Survivez pendant 45 secondes. Thank you.
Voilà. Well, that's better. Ça, je prends. Et ça, c'est une épreuve, mais du coup, ça va... ils vont me casser la gueule encore, c'est ça? Oh là là, oui, c'est ça. Non, oh, c'est raide, putain! Chaque fois, ça me défonce ma vie, quoi. Non, non. Alors, qu'est-ce qu'il peut me faire, lui? Je vous ai lancé. Ouais. Tous les ennemis vous infligent des dégâts ensuite. Attends. Dégâts de vengeance. 149. Ah, c'est bien, ça. Thunder and lightning. De toute façon, il me reste 7 points de vie. Je pense que là, c'est la mort qui va m'assassiner. Hein. Points. 4 points de vie. Ah non, il y a un truc là-bas pour acheter. Oui, va acheter de la bouffe, je sais pas. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Restaurer de la vie, oui. Déplacez-vous, non, on s'en fout. La technique, je l'utilise jamais. Si je l'utilise un peu. Si je l'utilise. Allez. Bah ouais, puis de toute façon pour 10 balles. Allez hop. Bon, j'ai restauré un peu de ma vie. Ah là, j'aurai le choix. Non. Zeus. Aïe. Je m'agourais dans les boutons. Quoi? Remplacera la frappe brisqueur, non? Technique. Hop. Ouais, de la vie. Ouais, de la vie. Ouais, now. C'est trop d'avant, hein. Eh bien non. Je ne suis pas mort. Dionysas.
Let's go. In the name of Hades. Alors, vous subissez moins de dégâts parce que vous avez 40% de votre santé ou moins. Si votre santé est trop basse après un combat, alors elle est restaurée jusqu'à la valeur seuil. Bah mais là il va me le falloir pour le prochain combat là. Donc hop. Là je vais me prendre moins de dégâts. Ok. Hi Meg. And there you are again. Lord Hades ought to lock you up rather than let you. I'm sure he'd welcome all this feedback from you, Meg. Or maybe you're just. I have no envy for your father's position. Ça fait mal, hein. Ça fait vraiment mal. Ok. Ah je peux pas... Oh, d'accord. Non. Oh là là. Non, oh là là. Oui. Oui. Got you. Oh, j'ai 5 points de vie. Something for the mirror. HP quoi. Don't mind me, father. Pourquoi ça marche pas? Le truc qui brille normalement c'est pour ok, attitude positive, d'accord. Attaque plus puissante, électricité statique. Ça, qu'est-ce que je peux acheter? Restaurer 10% de votre vie quand vous entrez dans une chambre. C'est bien ça. Recevez à tout moment un objet. Puis de charron, ah ouais. Here then. Bah, let's go. Je précise, c'est temporaire le premier item que t'as pris. Ah. Ah. D'accord, bon bah tant pis. Tant pis. Mais bon, c'est déjà pas mal. Regardez, hop, je passe à 51 là. Hein?
Et il y a un moment où... Quoi? Oh, j'ai rien compris. Ok, de la thune. Et là, c'est si... Ouais, mais c'est les défis, je vais crever. J'hésite quand même. Hein. Ah, des gemmes. Allez, je vais pas faire le défi là, mais je vais essayer de choper les gemmes. Putain, il m'a fait un... Putain, le Hadoken là. Aïe. Alors, qu'est-ce qu'on a? De la thunasse, mais non. Ou de la vie, bah ouais. Ouais. Oh, j'ai pas aimé, hein. Oh, j'ai pas kiffé. Hein? Il y a littéralement un truc qui m'est tombé sur la gueule. Le vieux collier à pointe, niveau supérieur. C'est cool ça. Instantané. Là, je l'ai déjà pris. C'est votre attaque inflige plus 30% de dégâts, ok, et hop, lui. Ça serait bien que je récupère un peu de vie. Donc j'ai Dionysos ou de la thune. On va y aller sur le copain Dionysos. Il me gèle lui. Ah mais c'est Médusa, bah évidemment. Je m'en prends plein la gueule. Non! Bon, je crois que ça va être le dernier truc. Hein. Oh là là! Oh! J'en ai pris plein la tête, plein la tête, plein la tête! Eh ben dis donc. Alors, haute tolérance. Bon, vous subissez moins de dégâts, ouais, votre 1, cœur brisé, hop, ouais. Comme ça, j'en aurai. Merci. Comme ça, ça me ramène de la vie. Pourquoi il y a des ballons de baudruche là? Pam 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 pam. Bon, je crois que ça va être ma dernière run, puis après. Il est où?
Non. Oh. Alors, ah. Il y a Apollonche ou je sais pas. Allez, on l'a pas encore vu. Mais non, mais oh là, mais quel gros naze. Je reste dans la OE quoi. Mais à chaque fois, je reste dans la OE. Hein. Ah non, il y a le mec avec son Hadoken là. Oh, je suis un de vital. Le un de vital. Ah oui, j'ai refus de la mort. Ouh. Pourquoi je repars avec 5? Je suis pas mort? Batwing. Batwing. C'est assez Hermès. Salut chef. Je vais faire une exception pour toi. Allez hop hop hop, on a pas que ça à faire. Alors. Maintenant, foncez au bouton de lancer pour tirer plusieurs fois de suite rapidement. Vous pouvez vous élancer plus de fois d'affilée. Déplacer plus rapidement. Allez. Appreciate the lift, Lord Hermes, sir. Now let's go. Ah, je vais pouvoir améliorer une compétence. Bon, dernière. Hein. Dernière run. Hein. Et il est où, machin? Delicious. Alors, votre attaque est plus puissante. Votre lancier devient un projectile. Traverse the flaming river Phlegethon to gain this vantage point. Relentless Zagreus must now confront a foe of unimaginable savagery who lies ahead, awaiting patiently its time to strike. Way to spoil the surprise, old man. Il est en train de me dire salut, tu vas crever. Ah d'accord. C'est pas le machin, la bête bizarre là? Ouais, c'est ça. Ouais. Hello. Oh, great. Ils m'ont lancé. Regardez ça.
Quoi? Merci Fallen Blood pour le raid. Merci beaucoup. Merci. I'll get that Hydra. J'ai pas. Je crois que j'étais. Ouais, je t'ai jamais vu sur le. Je t'ai jamais vu sur le stream, donc merci, merci d'autant plus pour le raid. Et bienvenue. Bienvenue à toi et tes viewers. Coucou ici, et bon courage pour les runs, j'imagine. Eh, hey, mais il y a une cuisine maintenant à côté là. J'imagine que du coup tu es quelqu'un qui fait du Hades. Tout plaisir pour moi. J'arrête des nouveaux streamers toutes les semaines. Eh bah écoute, je suis content. Je suis content que ça tombe sur moi. Ça me fait plaisir. Et oui, et donc je suis un débutant sur Hades. C'est ma première session. Je commence tout juste. Donc je sais pas si tu connais. A priori, ouais, tu dois connaître le jeu. Voilà, si tu parles de bon courage pour les runs, donc tu dois connaître. Bah du coup, ouais, présente. Enfin, ça me ferait plaisir. Je suis jamais venu, mais c'est désormais chose faite et je manquerai pas une occasion de passer faire un coucou de temps en temps. Et bah merci beaucoup. Et bah hésite pas à te présenter en fait, à me dire qu'est-ce que tu fais toi sur Twitch, qu'est-ce que t'as l'habitude de faire, si t'es plutôt multigaming ou si t'as des jeux de prédilection. Voilà, histoire de te connaître un peu plus. Et alors à savoir, je suis un streamer qui ne sait absolument pas lire les pseudos, c'est une catastrophe à chaque fois. Donc à chaque fois je m'excuse, je me confonds d'excuses à chaque fois que je lis un pseudo et je demande si la prononciation est bonne. Et donc bonsoir Koryu. Et surtout tu m'engueules si je me suis planté dans la prononciation de ton pseudo. On va t'appeler Kor. On va t'appeler Kor, c'est vachement bien. Parfait, oh là là, carrément, la perfection quoi. J'ai pas suivi. D'habitude ça boule tranquille de surveiller le bassin du Styx, mais ces derniers temps ça se bouscule le portillon par exemple, quelqu'un est sorti juste avant toi. T'as dû voir ma tête quand j'ai vu que c'était pas toi. Ok, donc ça commence à être le bordel quoi. Ouais, je stream du Hades chaque jeudi depuis quelques temps maintenant, d'accord. On a atteint les 100 heures de jeu. Les 100 heures de jeu d'ailleurs, mais désolé. Bah, aujourd'hui, à dose de 8 heures chaque jeudi. Ah ouais, 8 heures de Hades. Oh là là, oui, d'accord. Il me manque une petite commande pour mettre automatiquement un lien vers la chaîne des Raiders. Effectivement. Donc je suis pas pro, mais disons que j'ai un gros background dans le jeu vidéo, donc je me dérouille suffisamment pour avancer vite dans le jeu. C'est cool. Ah, 8 heures à la suite, quoi. Achilles, sir. I got a relic of some sort out there. A globule of ancient blood which formed after I fought with Megara. Is this really the Titan's blood I found? Et du coup, qu'est-ce que j'avais demandé comme question? Tu l'as terminé le jeu ou pas? Parce que alors, j'ai aucune idée de. Il y a peut-être Avorpal qui pourra répondre quoi, mais je sais pas combien d'heures il faut pour finir le jeu quoi. Ouais, je stream 8 heures par jour globalement, sans pause. 5 jours par semaine hors week-end. Ah ouais, bon rythme. As far as I know, yes, lad, that it is. Though who's exactly, I'm not so sure. You'd best hang on to it and keep it safe. Your weapons, they shall thirst for it and drink it up. Not yet. Well, I wasn't about to drink it. Ouais, ok. Plutôt une bonne idée. Appreciate your patience. Décès cardiaque. Voilà, il y a des gens morts partout. Moi je vais donner au chien. Oui, je vais pouvoir donner au toutou. Oh là là, regardez ça. Hop, tiens mon toutou. Trop bien. Cerberus est overjoyed to have received such a delicious treat. Trop bien. You keep an eye on father for me, boy. Don't let him sour up everyone's mood. Petit chien. Cerberus promises to do. I mean, old father's nice to you at least, isn't he, boy? Donc j'ai terminé la première moitié de la story au bout d'une trentaine d'heures et on termine l'autre moitié la semaine prochaine au bout de 100 heures plus, ouais. Parce qu'un joueur qui optimise pas ses heures de jeu pour avancer bien et vite, ça doit prendre plutôt un bon gros 200 heures. Oh là là, ok. Pour l'instant, moi j'optimise pas, hein, donc effectivement, ça va peut-être me prendre du temps.
Moi, je suis plutôt un joueur de Isaac. J'ai 900 heures plus sur Isaac. Et je viens de terminer. Bah, j'ai terminé hier, en fait, ma deuxième save avec 1 million de pourcents. Donc, le maximum dans le jeu pour l'instant. Parce qu'il y a, il y a un DLC qui sort à la fin du mois, là. Mais voilà, le jeu fil rouge, en fait, de mon stream, c'est Isaac. Et en attendant, là, que le DLC sorte, du coup, c'est pour ça que je me suis mis à Hades. Dans ce cas, tu vas vite choper le coup sur Hades. Ouais, voilà, déjà, enfin, là, j'en suis à ma, je sais pas, quatrième run. Comment on peut voir? Comment qu'on voit? Appuie sur tous les boutons. Bon, c'est pas là. A priori, c'est pas là, mais on peut voir des trucs dans le jeu, je sais. Après, c'est pas du tout pareil que Isaac. Hein. Isaac, c'est vraiment des patterns particuliers. Alors là, il y en a aussi. Mais globalement, il n'y a pas full d'ennemis et les salles sont beaucoup plus petites, quoi. Donc pour l'instant, alors après, c'est aussi l'habitude. Ouais, j'ai 900 heures sur Isaac, donc évidemment, je suis un peu meilleur sur Isaac. Mais je pense que ouais, là, faut que je change ma manière de voir le jeu. C'est beaucoup plus fouillis pour moi pour l'instant sur Hades. Mais y a pas de raison que j'y arrive pas, quoi. What did I tell you, boy? J'ai déjà tué mes gères deux fois en 5-6 runs là. Content? I don't know how you can stand it. Well, at least some things are running smoothly still. Next you go to die again, do give the tortured souls out there my warm regards. Globalement, Hades et Isaac 2.0 sont en offense. Isaac est un pilier du roguelite, il est légendaire. Hades c'est pas pareil bien évidemment, mais reste dans la même catégorie. Très bon, hein. Ah, non mais enfin j'ai vu pas mal de streams dessus, j'ai Avorpal, tu vois, qui était sur le chat là au moment où t'es arrivé, qui a poncé le jeu aussi. Et qui est un bon pote. Donc ouais non, j'ai vu des streams de Shishayu aussi. Donc bon, je connais un peu le jeu. Et non, c'est pour ça que j'y joue, c'est parce que le truc me plaisait. Et coucou Melzekiel. Pas très sympa papa quand même. Hein. Alors qu'est-ce que je peux avoir hein dans le hall? Mais ça, on s'en fout. La banquette. J'en ai combien? 17. Contractor, work approved. Should make a nice enough addition to my chambers. What is that doing there? Je comprends pas. T'auras tes devils. Dis bien assez tôt. Ah là là. Ah, je l'ai. Ouais. Alors les devils deal là, j'en ai un peu ma claque parce que pour terminer Isaac là, il me manquait deux objets et des devils deal là, j'en ai fait un paquet parce que j'avais le Mega Blast qui me manquait et j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. Donc les Devil Deal, j'en ai un peu plein le fion, quoi. Ah, c'est quoi ce jeu? Je connais pas, on dirait Loom 2.0. Eh ben non, en fait, c'est Loom 3. c'est Loom 3. Qui est la combinaison du 2 et du 1. Trop bien. We each have our commitments to this house, Megara. There is no shame in yours. And whilst your sisters are away, you bear their burden of responsibility as well. I understand. It's just, am I supposed to keep pretending nothing's changed? This house is cracking at the seams, and no one's going to admit it. The house shall stand eternally, although in what condition, it is ours to decide. Oh, mais ce lore, quoi. Our obligation is to keep the house in order. Je compatis le temps qu'il m'a fallu aussi pour le triple save 100%. Ah, mais ok, bah t'es joueur de Isaac aussi. D'ailleurs, t'es. Oui. J'ai considéré que tu étais masculin. J'espère que c'est le cas et j'espère que je me trompe pas. Sinon, n'hésite pas à me le dire. Qui ne l'est pas. Il y a plein de joueurs qui ne sont pas des joueurs de Isaac. Et ouais, donc en plus, t'as fait. Je le suis, masculin. Ok, ça marche. Et j'aime pas mes genres et les gens, donc. Ok. Mais ouais, en plus pour avoir fait les trois saves à fond, ouais. Et la deuxième finalement m'a pas pris trop de temps que ça, quoi. I know. You're right, of course you're right. I'll do my best.
I'll do my best for both our sakes, Nix. What was that about? Bah, parlez de toi, mon petit débile. Hey, the lounge is open. A commemorative board adorns one of the stoic walls within the lounging area, celebrating and proclaiming the accomplishments of those who serve Lord Hades best of all. Won't ever see my face up on that wall, I guess. La première save, c'est la plus longue. Après, bon, tu es bon au jeu, tu vas vite. T'as ton G-Doc pour optimiser l'avancée. Ouais, c'est là où j'ai déconné sur la deuxième. En fait, la deuxième, je l'ai faite après longtemps après avoir terminé la première. Et mais donc déjà, j'avais plus mon niveau, donc il a fallu que je reprenne mon niveau déjà. Et après, ouais, il y a des trucs que j'aurais clairement pu optimiser, quoi. Grid Squelette, par exemple, je l'ai débloqué vraiment à la fin. J'ai fait les challenges à la fin. Et donc du coup, j'ai dû récupérer plein d'objets à la fin, genre Grid Squelette, alors que c'est typiquement le genre d'objet que j'aurais pu récupérer sur mes runs standards, quoi. Donc ouais, il était pas super optimisé. Ouais, ma deuxième save était pas super optimisée. Mais quand même vachement plus, quoi. Enfin, bon, du fait que je connaissais un petit peu comment ça marchait, ça a été beaucoup plus rapide. Il y a des gens qui étaient passés sur mon chat en me disant « Oh là là, mais t'as pas beaucoup de morts, comment tu fais ?» je leur ai montré ma première save, et ma première save, je l'ai terminée avec 2000 morts, quoi. Donc, et là, la deuxième save, j'ai fait 148 morts, je crois. Donc plutôt bien opti, quoi. Enfin, je sais pas si tu connais Shishayu Miyamoto, si tu le regardes un petit peu, mais pendant le premier confinement l'année dernière, il s'était fait une save du confinage, comme il disait, et il a terminé avec 6 morts. Donc j'en suis clairement pas à son niveau, mais lui, c'est une brute, quoi. Explique-nous le jeu, s'il te plaît, il a l'air joli, même en 60p. Et bah, c'est comme Isaac. Toi qui adore Isaac, tu vois. Hades, c'est comme Isaac, mais avec plus de lore, des graphismes plus jolis, et chez les Grecs. Voilà. Greetings, broker. Ah, d'accord, je peux échanger des trucs contre d'autres. Oh. Ok. Twin Stick Shooter, exactement, comme Isaac. Non, pas vraiment. D'ailleurs, c'est vrai, ça fait quoi, ça? Peut-être, en fait. Je sais pas... Non, bah non, pas Twin Stick. Hein. Non, en fait, là, je contrôle les déplacements, et après, je tire et je tape. Avec les boutons. Mais, effectivement, non, le deuxième stick ne sert à rien. Mais dans l'esprit, voilà, c'est un roguelite, donc faut se déplacer dans l'enfer pour essayer d'en sortir, donc bon. Et tu meurs très souvent, mais tu augmentes tes capacités au fur et à mesure. Voilà. Ouais, le voice acting est quand même assez ouf. Hein. Y a du ZA. Just wanted to say, don't bother picking up my room today. I'm headed out for a while. I have to clean the rafters. Thanks for all your hard work. Greetings, chef. Je peux pas lui parler au chef. Ok. Super Giant, non, c'est des devs Super Giant Games. C'est enfin, je crois qu'ils éditent aussi, hein. Ils font les deux. GOTY, Game of the Year. God Day, je sais pas. Mais Super Giant Games, je sais pas si tu connais Melzekiel. Ils ont fait, j'en ai parlé tout à l'heure en plus. Ils ont fait Game of the Decade, tu vois, je savais pas. Ils ont fait Bastion. Et ils ont fait Transistor. Peut-être que ça te parle un peu plus, Bastion et Transistor. Et bah, Bastion et Transistor, c'est Super Giant Games. Ce qui explique d'ailleurs. Et bah, merci Koryu pour le follow. Merci beaucoup.
Et merci Fallen Blood pour le follow. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'avoir des nouveaux follow. En gros, jeu qui est entré dans le panthéon des grands jeux vidéo. Okay. Ah ouais, ils ont fait Webpire aussi, auquel j'ai pas joué. J'ai fait Transistor et Bastion, mais j'ai pas fait Pire. Gameplay nerveux, c'est-à-dire building, donjon, crawler, roguelite. C'est du roguelite. Fine addition to the bed chambers. A beautifully decorated, subtly enchanted ball containing traces of the hapless prince's past attempts to flee the underworld now accents a particularly cluttered corner. Always wanted my own scrying pool. As many chances as ah. Oh, c'est cool ça. Et ben voilà, donc du coup tout à l'heure je savais pas combien j'en ai fait, et ben voilà, j'ai fait synchrone. J'ai fait synchrone, j'ai tué la mégère deux fois. Oh là là, mais j'en ai récupéré tellement là. Trop bien, trop bien. C'est un jeu de voleur léger. Hein? Koryu en plus, tu sors un streamer de qualité juste tout bénef en fait. Merci, gentil. Ah, si tu connais pas les termes qu'on utilise pour quitter Gazé, regarde juste le stream, tu verras par toi-même. En plus, non mais Melzekiel, en plus tu trolls ou pas? Parce que, enfin, ça m'étonne que t'aies pas vu de stream de Hades, quoi. Pendant un moment, tout le monde streamait du Hades, quoi. Donc, es-tu en train de troller ou pas? Ça m'étonne de toi, mais du coup, je préfère poser la question. Tout. On va continuer à augmenter ça. Hein. Ça c'est cool aussi, ça m'a bien aidé. On est au max. Oh. Ok. Ok. Sinon je pouvais économiser. Hein. Je regarde pas de stream en dehors de toi, voire Terrestrine ou Celdel, donc non, jamais vu de stream Hades. Mais Celdel, il en a fait du Hades en plus. Enfin, après, voilà, t'es pas. Oui, ça veut pas dire que t'es tout le temps sur le stream de Celdel. Mais Celdel, il en a fait en plus du Hades. Bon, je vais alors, j'avais prévu d'arrêter, mais je vais refaire une petite run pour te montrer. Use it or lose it, pal. Thanks, mate. Note to self, always spend everything. Ça j'avais compris. Ça j'avais compris qu'il fallait que je. Ah mais je commence avec plus de vie vu que j'ai augmenté le truc du toutou chien. Oh là là, là là là, trop bien. What's that one there? 47 quoi. Ah là là, plus 38 de points de vie quoi. Sinon, bien évidemment, je connais Shishayu, le papa, le papa de Mario. À pose blow. En dehors de Tricky Tower Unrailed, je joue pas trop aux jeux vidéo, tu sais. Bah, après, par contre, t'as une connaissance dans les jeux vidéo qui est quand même assez. Enfin, je sais pas, quand on parle de jeux vidéo, régulièrement, tu connais et tout, donc. Non, enfin. Le prochain bienfait que vous trouverez d'Aphrodite, c'est bénéficiant à plus 10% d'être de rare ou qualité supérieure. Pour l'instant, je vais garder le truc du toutou chien. Because. Je suis pas très doué pour le moment. Et du coup, pour Melzekiel, on repart sur une run. Tu confonds avec Bibi? Mais pas du tout. Ah, d'où je vous confonds toutes les deux. Faudrait vraiment. 5 ans chez le vieux monsieur, du coup Isaac m'a pas épargné. Ah, je suis pas encore à 5 ans chez MV. Je crois que j'ai mes 48 mois bientôt. Peut-être le mois prochain. Le mois prochain ou le mois d'après, je pense. Poséidon.
Je sais pas si vous avez vu sur Twitter la dernière fois, j'ai trouvé ça. Il y a une infographie des dieux grecs et des dieux romains, et avec leurs liens de parenté et tout. Et donc c'est un bandeau comme ça des différents dieux. Et c'est assez chouette quoi. Donc on voit en plus les mariages officiels et donc les enfants avec le mari ou la femme non officielle et tout. Et c'était vraiment bien rigolé, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Donc là on en apprend un peu plus, voilà, il nous dit c'est tonton. Alors, technique plus puissante, votre lancer inflige des dégâts de zone et repousse vos ennemis. Votre élan vous permet d'infliger des dégâts aux ennemis autour de vous et de les repousser. Ok. Ah, il y a des trucs nouveaux. Ah, c'est le Devil Deal, ça. Au fait que je suis devenu chaud sur la mythologie grecque depuis que je passe des centaines d'années sur Hades, ouais. Ma déesse grecque préférée, c'est Bastet. So all I need to do is sacrifice some of my life essence to go in here. I don't see why not. Ok, donc c'est bien. C'est bien un fucking Devil Deal. Stretch well past the notice of Lord Hades himself. And yet, wasn't all that hard to find, really. Alors. Ah, pour l'instant, d'accord, j'en ai qu'un. Et voilà, les autres, je les ai pas débloqués encore. Ok. This is not someone I recognize. So. Hein? C'est qui? C'est Chaos? Oh là. Ok. Re-blacky. Alors, pendant vos 3 prochains combats, votre déplacement est de moins 41%. Ensuite, vous obtiendrez un machin, un truc là. Pendant les 3 prochains combats, à chaque fois que vous utilisez votre lancer, vous perdez 3 cœurs. Ensuite, les bienfaits auront 17% de chance d'être rares ou mieux. Pendant les 4 prochains combats, les pièges vous infligent plus 305 de dégâts. En plus, suite, votre technique infligera 57%. Ok. Allez, let's go. Après, qu'est-ce que je veux? Je veux acheter des trucs, je veux des clés ou je veux des gems ou... Allez, let's go pour les gems. Dans la mytho grecque, chaos égale dieu. Début et source de toutes choses et création globalement. Et en même temps, c'est vrai aussi dans la vraie vie. L'univers est quand même arrivé de une vieille soupe primordiale dégueulasse. Qu'on pourrait associer quand même au chaos. Ma chef en vacances, ça va plus t'empêcher de m'appeler. Et t'as pas pu t'empêcher de répondre. Elle allait s'inquiéter. Oh. Mais non, mais qu'est-ce que je fous? Je suis nul là. Ouais, mais les équelles, tu vois, faut mieux jouer que ça normalement.
Hop, vas-y. Oh non! Je l'ai eu? Ah oui. Time to collect. Bon, par contre, il me reste moins de 30 minutes pour me faire à manger, manger, aller en réunion, bosser ensuite et finir mon bordel avant d'aller me dodo et sport. Plus stream demain matin. Du coup, soyez sages. J'ai la chef pour les runs, ça va le faire. Des bisous. Et bah, merci beaucoup. Encore, merci encore beaucoup pour le raid. Et à bientôt. Et moi, j'irai voir ouais, ce que tu fais en stream. Ça peut être intéressant, a priori. Et bah, bon courage pour la bouffe, le sport, le stream, tout, 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 tout. Et encore, merci beaucoup. I'll just take this one. Hop. Hier source, ça peut être pas mal. Pourquoi j'ai ça? Oh. Je me fais les foncer. Mais non, mais j'y vais comme un bourrin là. Oh là là, j'ai tellement déconné. J'ai tellement déconné. Le plaisir est pour moi, n'hésite pas à passer, Tracui, comme il se doit. Merci beaucoup. Hein. J'en fais autant car monsieur Fallen Blood, il fait la rue avec ses modos. J'ai toujours pas mangé non plus. Bah vas-y, bah bonne app. Bonne app et merci d'être passé. Merci de, merci d'avoir fait un coucou. C'est toujours sympa quand les raiders, voilà, se... font des coucous et discutent un petit peu dans le chat. Ça fait toujours plaisir. Hop. Poseidon blessed you, didn't he? To think that big fat oaf is your own father's brother. I'm told to be... Alors, l'attaque est plus puissante, et 15% de chance. Hop, hop, hop. Allez, on va dire l'ok pour les critiques. What is it now? Security. Non, il y avait un piège. Non, je me suis fait avoir par le gros balourd. Ok. Tony lui fait rien qu'on m'embêter et il veut pas m'expliquer son jeu. Mais si. Mais en même temps. Alors en plus tu me demandes de comment d'expliquer un jeu que je viens juste de commencer quoi.
Et donc voilà, le but c'est de s'emballer de tous les ennemis par salle. Il y a des salles en fait, et tu butes les ennemis dans la salle. Et puis t'avances, et il y a papa. Il y a papa qui est méchant. T'es en enfer en fait. T'es le fils de Hadès, d'où le titre du jeu. Et t'essaies de t'échapper en fait de l'enfer. Parce que tu es né ici. Ton père est né là-bas, ta mère est née là-bas, mais toi t'es né ici, dans la misère et l'ennui. Voilà. Et du coup tu essaies de t'échapper et voilà. Non, tu joues Zagreus. Hadès est ton papa. C'est comme Zelda, hein. Do you know Zelda? Zelda, en fait, le personnage principal, c'est pas Zelda, hein. Peut-être je vous spoil, mais... Le nom du personnage dans Zelda, c'est Zeldo. Son nom. Donc là j'ai joué comme un kek en fait, donc là je vais pas y arriver. Mais si t'avais vu les runs avant, c'était mieux. Non, c'est le gros qui m'a tué. Oh. Alors attends, je vais t'expliquer, mais Ezekiel, c'est très simple en fait. Il y a des méchants. Zaldar. Non, connais pas. Hypnos must be on break. Will. Est-ce que je vais déjà offrir un truc à lui? Comment on voit? Ah bah oui, c'est là. Ah, il y a Dusa, ok. Tados, Poséidon et... Oh, merci. Hermès et les dieux Chtonia. Puis Mégère. Hein? Pourquoi j'ai un petit ruban? Ok, le chaos. Et je veux les potes, moi. Nyx, Zagreus, Charon, Hypnos, Mégère. Le chien. Donc Aphrodite, c'est ok. Ah voilà, Cerber. J'ai filé un cœur en plus. Oh, je piche pas comment ça marche. Donc à Shield, je lui ai rien filé encore. Donc dans chaque salle, où il doit taper tout ce qui bouge. À la fin, tu peux choisir un chemin qui, selon le symbole sur lequel la porte tu veux... tu peux lui donner différentes choses. Le but, c'est d'aller voir papa. C'est pas d'aller le voir, c'est d'aller lui casser la gueule. Enfin, le but, c'est de sortir des enfers. Mais merci pour l'info. C'est vrai qu'il y a, ouais, effectivement, en fait, dans chaque salle, quand Blacky a raison là-dessus, dans chaque salle, je rentre et en fait, il y a des vagues d'ennemis qui arrivent et il faut que je bute toutes les vagues d'ennemis. Et derrière, comme elle disait, très justement, je vais choisir qu'est-ce que je veux en fait. Donc, soit des ressources, soit merde, comment ça s'appelle, je sais plus. Des trucs qui vont m'aider, des compétences qui vont m'aider. Voilà. Ah, you have to understand, lad. I've been here in your father's realm for quite some time. My documented learnings became bound to me, much like the spear, you see. You can undo those bindings of it. I see. I think. I'm grateful for it, sir.
Est-ce que j'offre encore au toutou chien? Moi j'ai trop envie d'offrir des trucs au toutou chien. Meilleur perso. The lounging area within the house of Hades is a dismal place to be. It's better than nothing. Cooking's one way to pass the time. Nyx must be someplace else. What are they on about now? I hope you're having a nice day. Even though you don't want to live here anymore, Your Highness. And there she goes again. Ah, mais je devrais lui filer avant. Oh là là, mais non. D'accord. Ok. Médusa, faut que je lui file en premier. Bon, ouais. Le truc au chien. Regarde, tout au chien. Je crois qu'on l'a perdu. Bah ouais, c'est ça. C'est trop d'explications. Tu l'explication. Oh là là, il va me kiffer. Il est trop mignon. Allez, je te parle. The Underworld Prince's casual inquiry serves but to frustrate the. You like it when you get pets like this, don't you, boy? Oui. Dis tout tout. I'm sorry he disturbed you, Cerberus. Ah, j'ai eu un succès. Bon toutou. Blood and darkness, but this place is falling apart. Father, everybody's dead. Give them a break. What would you even know of honest work? At least the wretch are dead, yet honor me as lord. I cannot say the same for you. Renumber IT. Bon, t'arrives au moment où je vais rater. Hein. Je me goûte encore pas mal dans les commandes. Hein. Eh ben, j'ai récupéré pas mal de trucs. Collection de souvenirs permet de changer de souvenirs entre deux régions. Ok. Réaliser les prophéties des moires et soyez récompensés. Ok. Le hall principal, ça c'est des conneries. Oh, le lit pour le chien. Oh là là, je peux donner un lit au toutou. Oh là 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 là. La banquette. Le salon. Nettoyage en profondeur. Débarrasse le salon des armes toutes de poils perdues par Cerbère. Nettoyage les finitions. Finitions manuelles. Répare les dégâts. Fait par Cerbère. Tapis. Idéal pour donner un plus mature à n'importe quelle chambre. La banquette. On va prendre la banquette. Hein. C'est quoi, collection de souvenirs? Rénovation des enfers. Mais de changer de souvenir, je sais pas ce que c'est. On va prendre ça. The fated list of minor prophecies. That sounds somewhat exciting, I suppose. LOL, trop dur. Bah non, pas trop dur, mais déjà 3 heures quoi. Ça fait 3 heures que je stream. Du coup, moi je file, je suis un peu en avance pour une fois pour lancer le stream. Et bah Ah, tu lances ton stream là, Blacky? Parce que moi, vu que je m'arrête, je te raid à ce moment-là. Mais dis-moi, ouais, si tu lances. Je vais, oui, bah vas-y. grouille-toi. Grouille-toi que je te raid. Hop, je continue à regarder un petit peu le lore, moi, là, dans le bazar. Mais vas-y. Hey, that must be the fated list. I want to go lie down. Alors, qu'est-ce que je peux acheter? Coup de sang. Montez votre réserve pour votre lancer. Think that should do it. Oh. Ah, je peux me reposer maintenant. It is the dead of night. Or the approximation of it in the realm of Hades. Prince of the Underworld, Zagreus, rises from a fitful slumber, with much mischief on his mind.
Mischief? Me? I was just going to have a little look through Father's stuff. All is quiet at this time. Ever-dreaming Hypnos put a spell upon the house, as willful Zagreus had asked of him. All are fast asleep, save for the prince. It is exactly as he planned. Lower your voice, old man. I'm trying to be sneaky here. He ventures toward the stately throne of his lord father, half expecting to be caught, but ill expecting what he is about to find. I said shut up, old man. Qu'est-ce qu'on va trouver? He does not know exactly what he seeks. He only knows that something always has felt off to him. That he does not belong. Who is he, really? Lord Hades never would indulge such questions. So Prince Zagreus would find out for son himself. Son papa n'est pas son papa. I'm not listening. Through his lord father's possessions. There is not much of any import there. Ledgers and administrative parchment work. Correspondence from Olympus which he had ignored. No trace of any reference to his son. But then, there is the note. Written finally in a hand and voice the likes of which the prince had never seen or heard. Hades. I can no longer tolerate my life here in this place. So I'm leaving, even if it kills me. I won't be returning to Olympus. If there is a place where I belong in this world, it must be somewhere between heaven and hell. Perhaps it's on the coast and has a little garden. Take care of Cerberus. I shall miss him. Persephone. Persephone. Thus did Prince of the Underworld Zagreus absorb the contents of this hidden letter, written in his mother's hand. His mother's hand? My mother's hand? Wait, what? You're saying this Persephone, that she's my mother? C'est rigolo, le quatrième mur qui est brisé, quoi. Nyx was that liar. He lied to me. They both did. All my life. Ah non, ta maman, c'est celle qui t'élève, espèce de petit con. Thus did the prince discover, inadvertently, the well-kept truth about his lineage. Oh, ils ont rajouté beaucoup d'humour, c'est cool. Ça, c'est très cool. Persephone, the one-time queen of all the underworld. Where had she gone? And why? Engulfed by newfound questions and his rage, the prince decided to confront his lord and master. You... why? You... you're... Nyx, you're not my mother. All this time, you and my father, you... you lied to me? Oh, my dear child. So now you know. So now you know. But only half the truth. I can explain the rest, so... please. It never was my wish to hurt you. Mother, I wonder, will you even remember me? Prophecy fulfilled. Ah, ok. Et je peux avoir trois. My extended family seems an interesting lot. Oh, mais tellement bien ça. Aucune issue. Visio, ça surprend un jour de son royaume natal. Ok, donc ça, faut que je me casse. Et collègues stoniens. Visiblement, rencontre un jour tous les souverains de l'enfer. Ok, donc là, faut que je rencontre tous les gens. Déesse de la sagesse, là. Bien, une minute. Ah, faut que je choisisse au moins une fois chacun des trucs, d'accord. Déesse de l'amour.
Pareil, en fait, là, il faut que je choisisse à chaque fois, au moins un truc à chaque fois. Les armes. Ok, faut que j'utilise les armes, ça on est d'accord. Les enchantements de dédale, ok. Ok, et le savoir, révélera un jour à partir du codex. Ah! Ok, mais alors là j'ai récupéré des. Hey, I know you. The ancient casks of wine hidden within the recesses of the House of Lord Hades. Still waiting for the festive occasion when we'll open one of these. Ok. Du lore, est-ce qu'on peut avoir du lore? Est-ce que je peux refiler un truc au chien? Non. Bon bah je vais t'en filer un à toi. Tiens, cadeau. Hey Achilles, look, this really is for me. You beat me to it then, as I had meant. Thanks so much, sir. Oh cool. On va voir ce que ça me donne. Donc là, rien. Je vais pouvoir aller à côté et lui en donner à lui aussi. Oh, you being serious here, pal? You brought that Aldous? You're not so bad yourself, mate. Thanks for always being. Trop cool. Pal, thanks again for that nectar bottle from before. Stuff just goes right through me like you won't believe. Though I hope you're not going around. What, Skelly? You worry something bad is going to happen if I express a bit of generosity from time to time through. No, I'm worried you'll be wasting your time. If you give that stuff away, don't expect to get anything back. Well, not after the first time anyway. Usually. I'm just saying, don't get your hopes up. Maybe I just want to show thanks to my friends for its own sake. Sure. il a du mal à comprendre ce genre de truc. Hein. Another keepsake. Alors, faut quoi? 25 combats. Résistez moins 20% de dégâts de face, mais subissez plus 10% de dégâts de dos en plus. Mmh, ok. Ok, et on va s'arrêter là. C'est déjà une bonne session. Hop. Et merci YouTube d'avoir suivi. Je peux pas sortir du jeu. Attendez. Hop. Prenez-y et quittez. Ok. Voilà, bisous YouTube. À la prochaine.